Coupez, mademoiselle. Et choisissez 9 cartes de la main gauche. Je sais. 3 pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour l'avenir. Vous connaissez les tarots? Un peu, comme ça. Vous n'êtes pas encore sorti. Le jeu parle mieux quand la consultante sort. Ah, vous voilà. Je préfère. Voyons le passé. Vous avez eu un jeune amoureux. Il vous a influencé pour votre carrière ou a pris votre métier. Est-ce que votre mère était veuve? Non. Alors, vous avez près de vous une veuve qui vous tient compagnie. Qui n'est peut-être pas très scrupuleuse pour la conduite de votre vie, mais elle vous est très dévouée. Oui, c'est vrai. Elle vous a fait partir de votre ville natale ou de votre milieu familial vers une vie plus libre. Que de ce fait, vous avez pu rencontrer un homme de cœur très généreux. Il vous donne les moyens de vous consacrer aux arts. Je vois que vous avez un certain talent. Vous êtes musicienne peut-être. En tout cas, vous aimez la musique. Ah, je vois qu'il est encore auprès de vous. Il est très présent. Oh non, il est très bon pour moi, mais je le vois très peu. Alors, il vaudrait mieux le remplacer. Tirez une autre carte, parce que celle-là, c'est le consultant. C'est tout de même un homme qui s'occupe de vous en ce moment. Un homme sage et instruit, qui donne des avis judicieux. Je vois les forces du mal. C'est sans doute un médecin. Oui, oui. Son entreprise est hasardeuse. Je vois des changements, une lutte. Voyons pour l'avenir. Eh bien, évidemment, cette carte n'est pas très bonne. Elle ne laisse pas d'espérance d'union. Vous ne vous marierez sans doute pas. Il y a un départ, un voyage. Et ça, ce sont les 3 parcs. Et c'est vous qui êtes là. Et alors, pourquoi suis-je là? Le jeu est difficile, compliqué. Je ne vois pas très bien. Il faudrait en faire un autre. Coupez, s'il vous plaît. Et tirez 4 cartes. Ah, le pendu, c'est le changement, ça se confirme. Elle parle très bien, cette carte, mais c'est la souffrance. Vous êtes malade? Oui. Ah oui, vous voilà, la femme, Vénus Astarté. C'est sur vous, la maladie. Oui, moi. Et là, je vois une nouvelle connaissance. Vous allez rencontrer un jeune homme. Un bavard, un bonimenteur. Il vous amusera. Il n'était pas sorti dans votre jeu précédent. C'est une surprise. Ah, mais tout ne va pas bien. Il y a un bouleversement. C'est votre maladie que vous prenez trop à cœur. J'en étais sûre. C'est grave, n'est-ce pas? Oui, c'est grave, mais il ne faut rien exagérer. Tirez encore une carte. Il faut réfléchir, il faut voir. Pour voir ça, merci. Vous vous trompez. Cette carte n'est pas forcément la mort. Les pieds et les mains sont couverts de chair. C'est une transformation profonde de tout votre être. Assez, taisez-vous. Depuis 2 jours, je le sais. Dès qu'on m'a fait un prélèvement, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'attendre de résultats. Et dans ma main. En main, je n'y connais rien. Je ne sais pas. C'est donc si grave. Voyons, mon petit, vous n'êtes pas raisonnable de pleurer comme ça. Qu'est-ce que vont penser les clients qui attendent? Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Oui, j'ai compris. La mort et moi j'ai vu le cancer. Elle est perdue. Thank you.
Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres. N'arrêtez pas pour regarder l'Europe, c'est la semaine de la rentrée. J'étais juste descendu une minute. Alors, Madame Irma vous a quitté la peur? Justement, non, c'est pire qu'avant. Les cartes le disent, je suis malade. C'est pas possible. Elle l'a vu dans le jeu? Mais est-ce que ça peut se voir sur ma figure? Mais non. Vous vous faites des idées. Si c'est ça, je me tue. Autant dire que je suis morte déjà. Avec elle, c'est toujours drame et compagnie. Elle a pourtant ce qu'il faut pour être heureuse. Mais elle a besoin qu'on la protège. C'est une enfant. Allons, madame. Cléo, ma petite fille. Calmez-vous, voyons. Allons. Là. Alors, ça ne va pas, la petite dame? Elle se tracasse. Elle se fait une montagne pour un examen médical. Vous savez, les docteurs, ça voit le mal partout. Ils ordonnent des examens comme autrefois des potions, c'est la mode. Vous l'avez dit, c'est la mode. Oui, oui. Elle se trouve mal. Vous vous sentez mal? Oui, un café. Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. Pas de café. Bon, eh bien, un café. D'accord. La vie, tu sais, donne raison à l'envie. On dit le café énerve. Un jour, on s'aperçoit qu'il calme. Ce qui fait du mal hier, aujourd'hui, fait du bien. Je vais vous raconter une histoire vraie de mon village. Je suis des causes, moi. Ah, oui. Il y avait un homme qui avait de tout. Une vigne, une femme, de beaux enfants et la santé. Quand on a la santé, on a tout. Un jour, il est malade. Le docteur dit, il est condamné. Sa femme prend un air de veuve. Lui, il se fâche, se lève du lit, tout fiévreux, demande du café et sa besace. Il veut s'en aller. Il fait le tour de sa chambre et dit... La chambre, tu la loues ou quoi? J'ai un peu sommeil, mais demain, c'est parti. Tu es tout de même chez toi, oui ou non? La famille est affolée. Tu comprends pas. On en va chercher les parents, les oncles... J'en ai assez de partir de chez toi à 2h du matin. Il en profite pour les saluer. Moi, je suis crevé le lendemain, j'ai sommeil, je suis mort. Il ne veut absolument pas entendre raison. Je veux dormir avec toi ou rien. Vous m'écoutez? Il fait appeler le notaire. Alors rien. Il reste une heure enfermé avec lui. Tu blagues ou quoi? Tout est réglé. Moi aussi, je suis Et le lendemain, si qu'il l'avait annoncé, il part. J'ai sommeil. Ses enfants l'accompagnent à l'autocar. Je suis fier de ça. On dirait des orphelins. Tout le village me rit. C'est toi qui viendras me chercher. Folie. Et plein les pouces qui est resté à la maison, assis sur une chaise, sans rien dire. Et le voilà qu'il arrive. Il visite la Grèce, la Turquie, l'Égypte, l'Afrique. Il envoie des cartes postales. Il écrit, je vois le pays, bon baiser à tous. Jamais question de maladie. Allez, et puis allez, il revient, 2 ans après, plus fort que jamais, et l'air fier. Sa femme était morte par accident. Il est resté au village, il est vieux. Il parle toujours de son voyage en Méditerranée. C'est la grande affaire de sa vie. Ah, s'il faut écouter les docteurs, on est vite mort. C'est pourtant vrai. Allez, allez. C'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'on vous doit?
Il faut qu'on rentre. Non, non, laissez ça, c'est la tournée du patron. Vous êtes gentil, vous. Au revoir. Au revoir. Celui-là que je veux. En cette saison de la fourrure, Cléo, voyons. Si. Mesdames, vous désirez? Je voudrais un chapeau. Ah, j'ai un pour le préparer. Mais je vous assure, les vraies fleurs d'oranger. Puis j'en ai essayé quelques-uns. Mais bien sûr, madame. Quel genre auriez-vous désiré? Celui-là, 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 celui-là. Voici. Garniture en fleurs d'oranger. Mais si votre robe est en imprimé, il vaudrait mieux le diadème assorti avec quelques brillants. Ça fera l'ensemble. Oui, ça c'est joli. Je sais pas moi si ça va. Surtout maintenant, j'ai pas compris raccourcir le voile et la brillante vient dans son. Bon, ben, je vais m'occuper des fleurs d'oranger. Celui-ci est vraiment chic. Il flatte madame. Un de plus. Alors, est-ce qu'il te plaît? Il est de saison, au moins. Non, pas du tout. Caprice. Tout me va. Oh, c'est agréable. Je me saoulerai d'essayer des chapeaux et des robes. Décidément, le noir me va très bien. Mais tout de même, je préfère celui que j'ai vu en premier. Il vous va très bien, s'il vous plaît. Et voilà, c'est celui-là. Bon. Vous voulez un paquet ou un carton? Non, non, je le garde sur moi. Vous n'allez pas le garder sur la tête un mardi? Tu crois? Non, jamais on ne porte un habit neuf le mardi. Mais un chapeau? Rien de neuf. Vous désirez quand même un carton? Je ne veux pas attirer le malheur, non? Non. Merci, mesdames. Même à la main, on ne porte rien de neuf. Le mardi, je te l'ai déjà dit. Vous serez bien aimable de livrer chez mademoiselle Cléo Victoire, 6 rue Huygens. C'est elle. C'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Si j'avais pensé vous voir un jour ici, vous croyez que mademoiselle me donnera une photo dédicacée pour le magasin? Mais bien sûr. Vous ferez livrer tout de suite, n'est-ce pas? Mais oui. Au revoir.
Non, pas celui-là. C'est un trop mauvais numéro. C'est pas le moment. Celui-ci. C'est une déesse, j'aime ça. C'est pas une déesse, c'est une idée. Une idée comme une drôle d'idée? Oui, c'est ça. Vous êtes fatiguée? Oui, il me semble que je n'ai plus de vie. Quelle folie. C'est la fatigue qui vous fait ça. Vous habitez chez vos parents? Faites-moi un petit sourire. Oh, bêcheuse! Vous aimez les chansons? Moi, oui. Non, pas cette chanson. C'est mauvais. Ce disque est une trahison. Le prestage n'est pas possible. Faut le refaire. Arrêtez! Mais arrêtez! Mais non! J'ai dit arrêter la musique. C'est moi qui chante. Alors, justement, j'aime bien cette chanson-là. On l'entend pas souvent. Pourtant, si. Mais qu'est-ce que vous avez, madame? J'ai mal au cœur. C'est pourtant tout ouvert. Et la musique, ça ne vous soulage pas? Non. Moi, j'aime ça, la radio. Et puis, c'est utile. C'est comme appel taxi. Ça nous fait travailler, c'est ça. Un dur métier pour une femme. Et même un peu dangereux, qu'on dit. Mais moi, j'aime ça. Et la nuit? Vous n'avez pas peur, la nuit? Mais non, pourquoi? Peur de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore les jeunes gens des Beaux-Arts qui s'amusent à embouteiller les rues. Il faut bien qu'ils s'amusent. On en a fait autant, nous autres. J'aime pas les coups durs, bien sûr. Cet hiver, j'ai été attaquée. Vous n'avez pas lu dans François? Il y avait ma photo sur le journal. Enfin, pour attaquer précisément, c'était des jeunes gens qui voulaient pas payer. Vers la rue Curiale. Un vrai désert et noir comme tout par-dessus le marché. Mais je les ai pas laissés partir. J'ai couru après. Dans le noir? Et puis, ils m'ont assommé. Alors j'ai appelé au secours par mon micro appel taxi en disant où j'étais et deux collègues sont arrivés presque tout de suite. Et vous n'étiez pas morte de peur? Oh, je suis pas peureuse, ça non. Ils vous ont volé finalement? Même pas, ils se sont enfuis. Quelle histoire. Il ne peut pas doubler ici, c'est la barbe. Je remets la radio si ça vous ennuie pas. Bien sûr, vous êtes chez vous. Vient de lancer pour les Américaines un shampoing au whisky. C'est formidable, dit la publicité. Le cheveu, grâce au scotch, est revitalisé. Il est 17h20. Maurice Pirat vous donne les dernières nouvelles. Il y a eu aujourd'hui encore des manifestations musulmanes en Algérie, dans la région de Tchidjeli. Le bilan de ces trois journées d'effervescence dans le Constantinois est de 20 morts et 60 blessés. À Paris, suite des procès devant le haut commandement militaire, le commandant Robin, qui a participé au putsch d'Alger le 22 avril, a été condamné à 6 ans de détention criminelle. Autre préoccupation politique. L'agitation paysanne dure depuis 15 jours. Ce matin, les paysans ont forcé les barrages de gendarmerie à l'entrée de Poitiers et sont parvenus jusqu'à la préfecture. Ils étaient 2000 avec 2 à 300 tracteurs. C'est demain que doit se dérouler le procès de Gouvernec et Léon, les deux leaders paysans de la manifestation de Morlaix, actuellement incarcérés à la prison de Brest. Hier à Saint-Nazaire, 4000 manifestants, ouvriers et paysans ont défilé en criant « Libérez les Bretons ». En politique internationale, on pouvait presque dire ce matin que Khrouchtchev
a gardé un chien de sa chienne à Kennedy. En effet, à la suite de leur entretien de Vienne, Khrouchtchev a envoyé comme cadeau à la Maison Blanche Pouchinka, une petite chienne, fille de la glorieuse Chelka. Ça ira pour la répétition, sera juste à temps à la maison. Le tour de la Terre. Je suis claquée. C'est dans trois jours que commence le tour de France. Vous aurez le temps de vous reposer un peu. Comme l'a dit Albert Simon tout à l'heure dans ses prévisions pour l'été, le beau temps prendra le départ avec les coureurs. Accident à Gennevilliers. Trois égoutiers qui travaillaient dans un égout ont été intoxiqués par des émanations de gaz. Ils ont été entraînés par les eaux du grand collecteur ainsi qu'un employé de la RATP qui essayait de leur porter secours. Touristes, attention, le musée national du château de Fontainebleau sera encore fermé au public demain 22 juin. Pour la première fois depuis sa dernière opération, Edith Piaf a fait quelques pas dans sa chambre. Le docteur Mercadier, qui a opéré la chanteuse, a dit hier, Edith est sauvée encore une fois. Elle revient de loin. Enfin, une dernière nouvelle sportive. Un jeune sujet britannique, Robert Platten, a traversé le Channel en 6h20 à bord d'un lit de cuivre monté sur flotteur et équipé d'un moteur. Vous savez, la rue Huygens, c'est après le carrefour à 20, tout de suite à droite. Ah, je la connais, la rue. Bon, elle n'est pas des plus difficiles. Dans un cercueil. Vous êtes dégourdi, vous savez. Il est 17h22. Et les femmes parachutistes, qu'est-ce que vous diriez alors? Quelle folie de s'envoyer dans l'air pour personne ne vous y oblige. Et on a qu'aime ça, c'est tout. Ça fait combien? 4 francs. Merci. Au revoir. Quelle qui pèse, cette femme. Tu l'as dit, ça me révolte. Moi, non. Moi, je la trouve courageuse et charmante. Mmh. J'étouffe. Pends-toi un peu. Ça te fera du bien. Du bien. Maintenant que je suis allongée, je vais m'allonger. Ça me fait toujours rire, ça. Je dis pourtant tous les jours. Tu es vraiment mon meilleur public. Je voudrais une bouillotte. Tout de suite. J'avais déjà mis l'eau. Merci. Pas tellement que j'ai mal, mais la chaleur, ça me fait du bien. Tant qu'il n'arrive pas, reposez-vous. Tu sais. Tu vois? Ils sont à l'heure, ça m'étonne. Et surtout, ne parle pas de ta maladie. Les hommes ont horreur de ça. Elle est là. Elle est là-haut.
madame. C'est monsieur. Pouvais-je passer sans te prévenir? Je suis venu t'embrasser. J'étais tout à côté, tu sais. Tu as bien fait. Chapeau. Vous êtes maniaque, mesdames. Mais tu sais très bien que nous sommes superstitieuses. Monsieur vient trop peu pour se rendre compte à quel point nous le sommes. Si la soubrette m'a fait de remarques, la maîtresse pourrait bien me faire une scène. Je n'ai pas le temps, j'attends mes musiciens. Moi non plus, d'ailleurs, j'ai débordé. Je voulais t'embrasser. Te voir un moment. Oh, chaque fois que tu dis je n'ai qu'un moment. Tu es l'amant du moment. Cruel, et tu disais m'aimer. Je suis assez triste, tu sais, de te donner si peu de temps, ma divine, ma Cléopâtre. Tu es malade? Oui. Et qu'est-ce que tu as donc aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Suis-je si souvent malade? Toujours. Tu as toujours quelque chose quelque part. Et tu es solide au fond. Ta beauté, c'est ta santé. Et si j'étais malade vraiment? Tu as trop d'imagination. Tout le monde en a trop. Les gens n'ont plus en tête que le cancer ou l'infarctus du myocarde. Mais avec le travail et les gens à voir et les coups de téléphone, moi je ne sais plus où donner de la tête. C'est ma maladie à moi. J'ai deux rendez-vous avant le dîner. Je n'y arriverai jamais. À quoi? À m'embrasser, en effet. Je te manque? Comme on manque un train, c'est sûr. Qui trop embrasse manque le train, dit-on. Oh, toi, ce soit trop peu m'embrasser. Ça ne fait rien, il vaut mieux en rire. L'essentiel, c'est que tu me sortes. J'ai une très jolie robe pour la première de Don Juan aux Tuileries. Tu veux la voir? Oui. Non, je n'ai pas le temps. Toi non plus, d'ailleurs. Je te téléphone. Ah, si je pouvais vivre avec toi en vacances. Les denrées sont partis pour l'Italie, tu sais. Ah bon? Écoute, si je peux m'arranger, je te garde vendredi après-midi et le soir, on va aux Tuileries. Si tout va bien, oui. Ma perle. C'était quoi? C'est le bonnet de poil qu'on a livré. Ah bon? Eh bien, Angèle. Eh bien, madame. Je n'ai rien dit de mes soucis. C'est fort bien fait. Tout de même, il se moque de moi. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser. Vous auriez tort, il vous aime. Tu crois? Pas du tout. Il m'aime. Un peu. Beaucoup. Crois-tu qu'il m'aime? C'est un bon amant. Qu'en sais-tu? Il est amoureux, il vous gâte, il vous respecte, il vous sort. Il connaît tout Paris. Il est généreux. Et vous allez bien ensemble. Il est assez grand pour cela. C'est vrai. Mais tout de même, j'aurais voulu lui parler. De quoi? Mais de ma maladie. Tu as donc déjà oublié? Il n'y a vraiment que moi qui y pense. Et lui, crois-tu qu'il ne devrait pas sentir ces choses? C'est un égoïste. Pour cela, oui, madame. Mais tous les hommes sont des égoïstes, et le vôtre aussi. Il vous parle de son travail, de ses soucis. Que sait-il des vôtres? Moi qui suis si douce avec lui. Toujours libre quand il le désire. Toujours bien mise, bien peignée. Je suis trop bonne pour les hommes. Pour ça, oui, madame. Vous ne les faites pas assez souffrir. Et celui-là est bien trop sûr de vous. Au point de même plus me demander si je me sens bien. Au pire, si je mourais, il serait tout étonné, même pas triste. À quoi pensez-vous? Tu sais, on meurt vite maintenant. Les artistes surtout. Ne parlez pas comme cela. Il ne faut pas tenter le destin. Et qui croit savoir le pire ne sait pas le meilleur. Vous vous inquiétez plus qu'il ne faut. Voulez-vous que j'aille voir le médecin? Mais non, je dois lui téléphoner ce soir. Il aura vu le résultat de l'analyse à l'hôpital. Vous pensez bien que si c'était grave, il vous aurait dit de rester couché. Oh, mais non, pourquoi? À quelle heure l'appelez-vous? Chez lui ce soir.
Va vite ouvrir, ce sont eux maintenant. Bonjour, salut, Bob. Angèle. Et voici Maurice, tout intimidé et ravi de vous voir. Bonjour. Cléo est là? Oui, elle est sur son lit. Elle dort? Elle est souffrante? Un peu, oui. C'est grave? Penses-tu, c'est pour se faire cocoler. Eh ben, on va la soigner. Et en musique. Vous n'avez pas une blouse blanche? Ou bien alors un tablier? Oui, derrière vous, accroché au mur. Parfait. Et toi, avec ton imperminable de droguiste qui te bat les flancs, tu seras l'apothicaire. Je sais pas, je cherche un truc. Quel truc? Ça va pas. Voilà. Tiens, ça sera ta seringue, ça? Bonjour, vous avez pas une tisane ou... Tisane? Ça fait toujours rire, Cléo. Les femmes aiment qu'on les fasse rire. Alors ça, c'est vrai. Et puis vous, vous trouvez toujours des blagues à faire. Voici le docteur, madame. Aïe, 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 qui vient soigner la malade. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la saigner. Quelle horreur! Enlevez-moi ça ou je m'évanouis. Allez, allez, hop. Debout, les petites morts pour rire. Vous êtes fou! Vous êtes malade, non? C'est toi qui es malade, beauté. Et t'as tort. Et le tortue. Oh, lui, il est horrible. L'horrible est beau. Le beau est horrible. Shakespeare. Je voulais cacher la honte de ne pas vous avoir amusé. Mais si, mais si, mais si. Dis, Cléo, qu'est-ce que ce nouveau caprice? On devait enregistrer que la semaine prochaine, puis brusquement tout est pressé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau. Alors je vais choisir les chansons du nouveau disque et les enregistrer au plus tôt, après je pars. En voyage de noces de paille, non? Mystère. Oh, tu es énervant à la fin. Il faut répéter les anciennes chansons et les nouvelles, où elles en sont. Décider quoi? Mais toutes ne sont pas prêtes. Je me casse encore la tête, la plume à la main. L'homme de plume a parlé. D'ailleurs, maintenant, je l'appelle Plumitif. C'est pas mal, non? Ça lui va bien. C'est bien chez vous. J'étais jamais venue. Tiens, c'est vrai. Qui veut boire quoi? Madame Angèle est angélique. Chez toi, Plumitif. Mélodatif. Un apéritif. C'est toi qui rimaille ou c'est lui? C'est moi officiellement. Un whisky pour lui. Pas qu'on oraille, un tel fraise avec une faille. Allez, l'indicatif. Cléo, as-tu pendu la Cléo? Toujours tu m'énerves, tu traînes, je suis fatiguée. Alors quoi? Je le demande qui a vous aidé, Cléo. Merci. Alors dites. Il y a l'allumeuse. Vous le savez très bien déjà. D'accord. D'accord, parfait. Qui le sont? Femme le docteur Chanson. Il vous aidera, il vous conseillera. C'est un médecin. Chrétien. Tu es pénible. Il y a celle des Hacks et des Ingres, mais vous ne l'aimez pas. Il y a la diverse. Ah oui, elle est bien celle-là, vas-y. Il y a une femme, il y a 10 femmes. Il y a 1000 femmes en moi. Ah bah oui, mais je la connais celle-là, c'est pas la peine. Dommage, je ne me lasse pas de vous l'entendre répéter. Voilà, monsieur. Merci, madame. Bravo. Alors c'est fini. J'attends ces nouvelles chansons. Il y a la menteuse, tiens. Écoute, chérie. Je t'ai menti. Je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté. Et ton compte en banque, ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais, moi perfidement, je t'ai menti. Je t'ai menti. Bam 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 bam. Oui? Non, elle n'est pas là. Rappelez demain. C'est trop difficile à chanter, ça, j'y arriverai jamais. Bon, alors Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais. Moi perfidement, je t'ai menti, je t'ai menti.
je t'ai menti. Non, c'est pas moderne, ça. L'air d'avant, il est mieux, il est plus... typique. C'est ça. Bon, ben, je vais l'apprendre. Quoi d'autre? Moi, je joue. À quoi? Moi, je joue, c'est une chanson. Tout à fait pour vous. C'est facile comme tout. Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit. Et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches. Et moi, je joue des hanches. J'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cornet, toi tu joues du banjo. Et moi, je joue contre toi. C'est fou, on s'y fait électrocuter. Il joue au super gagne, joue au plus fortiche. Et moi, je m'en fous, je triche. M'en fiche, c'est fou, je triche. C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson-là. Les paroles sont très jolies. Et la musique, non? Mais si, la musique aussi. Il y a eu un temps où tu ne me méprisais pas, où tu appréciais ma musique. D'ailleurs, sur l'air que tu aimais bien, Primitif a fait des paroles. C'est gentil, ça. Tu n'as qu'à lire le texte, puisque tu connais l'air. C'est un cri d'amour. Évidemment, il faudrait un peu de sentiment, et je me demande... Je t'interdis. Ça m'énerve. Tu as toujours l'air de dire que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le métier. Quel métier? Bob, vraiment, tu exagères. Laissez-le dire, c'est un pauvre aigri. Cléopâtre, je vous idolâtre. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer. Mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide sans toi. Sans toi, rongé par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de rire sans toi, sans toi. Et puis vous savez, le mot cafard est maléfique. C'est comme le mot corde. Un mot, ce n'est rien, encore que la rime. Mais c'est une belle chanson, je vous assure. Avec ce cri d'amour, vous allez révolutionner le monde de la chanson. Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est qu'une chanson? Combien de temps dure-t-elle? Caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Tantôt je suis une idiote, une incapable, une poupée de son. Maintenant, je vais faire une révolution avec des mots macabres. Mais c'est ça vos chansons de charme? C'est avec ça que je vais faire un succès? J'ai réussi comme un enterrement avec beaucoup de monde. Vous vous servez de mes nerfs, vous m'exploitez. Allez-vous-en. Non, c'est moi qui pars. Quand je vais vous servir à boire, la séance est finie. Laissez toutes les chansons, je choisis la toute seule. Mais tu sais pas le solfège. Tu ne me l'as pas appris pour que j'ai besoin de toi. Tu ne m'as jamais fait confiance, tu crois que je n'ai pas de talent. José lui m'a remarqué la première fois que je suis passée au drap d'or. Il a aimé ma voix tout de suite. Ta voix? Laisse-moi rire.
Tu me détestes, on dirait. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime, enfant gâté. Ose-toi. Tout le monde me gâte. Personne ne m'aime. Personne. Dans quel état elle se met? Je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Un cri d'amour. Seul l'aide et les vides. Voilà. Si je pouvais m'arracher la tête avec. Tu veux que je vienne? Non. Je veux être seule. Cléo, je vous rappelle que c'est mardi. C'est mardi zut, je fais ce qui me plaît. De poupée est toujours la même. Et ça pour ridicule. Je ne peux même pas lire ma propre peur. Depuis toujours, je pense que tout le monde me regarde. Et moi, je ne regarde personne que moi. C'est lassant. Ne vous attendrissez pas sur les grenouilles. Elles ne souffrent pas. Elles reverront le jour, vivantes, dans un moment. Venez, petite grenouille. On va vous changer l'aquarium. Troisième grenouillard. Podrías ir a verla, te gustaría mucho. He ido con unos compañeros y me ha agradado muchísimo. Alphonse Séché, 15 à 20 ans avant l'invention du surréalisme. Ah, il y a trop de bruit ici avec leur musique. C'est fou, on ne s'entend plus parler. Non, franchement, on peut pas vivre deux. Ce sont des gens impossibles. Ils sont spécialement comme ça avec vous ou avec tout le monde? Avec tout le monde. Je vous offre quelque chose. Bonjour. Bonjour. T'as vu la petite fille?
Garçon, un cognac. Après tant d'années passées au loin, de se retrouver dans ce café où j'ai passé tant de soirées. Ça, oui, c'était impressionnant. La cadence de la poésie est une chose atroce. Tu n'as pas idée. Toutes ces histoires auxquelles nous ne comprenons rien du tout. Quelles histoires? Je m'en fiche, moi. Voilà tout de même, Pauline. Oh. Oui, c'est pour moi, merci. Tu le vois bien, la peinture s'appelle Femme. Et moi, j'y vois un taureau. Ça prouve que Miro est espagnol. Et Picasso, quand il peint un hibou, on dirait une femme. Ça prouve quoi, alors? Est-ce que tu crois que j'ai que ça à faire, de rester là à t'attendre? Et alors, tu as vu du gay? Et pas encore. Je m'étais dit, chérie, connais évidemment qui peut me présenter à Duguay. Mais chérie était partie à Dijon et Duguay n'était pas. Plus tellement de bons modèles. Je voudrais essayer encore. Évidemment, c'est qu'elle est devenue. Et cette énorme femme noire qui posait pour les sculpteurs. On ne la voit plus, c'est en dernier. Je crois qu'elle est repartie en Afrique. Raciste, va. Dorothée, toujours en circulation? Oui, oui, qu'est-ce qu'elle pose bien. Et pas casse-pied pour un sou. Attention, regardez bien vous tous, pas de tricherie, pas de supercherie.
Salut. Cléo qui vient ici. Parce qu'elle est gentille. Parce qu'elle est belle. C'est tout de suite fini. Attends-moi une minute, hein. En effet, c'est fini pour toi. Ouf. Comment vas-tu? Et toi, depuis le temps qu'on ne sait pas. Ça va? Une cigarette. On n'a jamais vu sa copine. C'est pas si mal, mais ces volumes sont encore un peu lourds. Effacez-moi ça, ici. Et puis ici, par tiens, là. Tiens, merci, à demain. Au revoir, monsieur Couturier. Au revoir, mon petit. Bonsoir à tous. Salut, beauté, encore. On va passer par derrière. Mm-hmm. J'ai l'auto de Raoul dans le passage. J'étais venue avec toi jusqu'ici, mais je n'étais jamais entrée, ça m'a surprise. Ils sont si calmes, si attentifs. Vraiment, ça ne te gêne pas de poser? Mais non, pourquoi? Il me semble qu'on est encore plus nus que nus devant plusieurs personnes. J'aurais peur qu'on me trouve un défaut. Quelle idée, c'est rien ça. Moi, je suis heureuse de mon corps, pas orgueilleuse. Quand ils me regardent, je sais bien qu'ils cherchent autre chose que moi. Forme, idée, je ne sais pas. Alors c'est comme si je m'absentais, comme si je dormais. Et puis on me paye pour ça, tu vois? Où vas-tu maintenant? Je me promène. Seule? C'est pas ton genre, tu vois. Je t'emmène. Raoul m'a prêté l'auto aujourd'hui. Tu montes avec moi? Tu sais conduire? Je sais pas très bien. Je viens d'apprendre. Assieds-toi. Attache ta ceinture et mâche tout chewing-gum. C'est plus prudent. Pourquoi on se voit si peu? Quand tu ris, ça me rappelle le bon temps. Quand j'étais pas encore heureuse, mais qu'on riait tant. Quand je voulais danseuse et toi chanteuse et bas pianiste de jazz. En fait, de nous. Ah, il y a toi qui as réussi. Réussi, c'est tu parles, moi. Pour trois petits 45 tours. Tout à l'heure, j'étais au Dôme. J'ai mis un de mes disques pour rigoler. Personne n'écoutait, personne. Le Dôme, c'est pas un concert gabot. Rue du départ. Tu sais, autour de la gare, ils se sont pas cassés pour les noms. Rue du départ, rue de l'arrivée. Mets ton bras en tourne. Oh, j'aimerais que les rues aient des noms de gens vivants. La rue Piaf, le boulevard Gigi, l'avenue Aznavour. Et on changerait de nom dès qu'il serait mort. Qu'en penses-tu? Je vois le coup. Comme ça, t'aurais une chance d'avoir un square. Moi non, c'est trop tard. Mais qu'est-ce que tu as? Je te trouve bizarre. Je suis malade. Malade? Tu viens, docteur? Justement, oui, on m'a fait un prélèvement. Je crois que c'est très grave. Comment grave? Mortel ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Mon Dieu, quelle horreur. Comme tu es courageuse. Mais non, justement pas. Tu ne disais rien. Depuis quand le sais-tu? Je n'ai pas sûr encore. Je dois téléphoner au docteur ce soir. Oh, j'ai eu peur. Peut-être c'est rien du tout. Oh non, de toute façon, c'est très grave. J'ai bien entendu les gens à l'hôpital. Je pense que les malades, ils sont au courant quand on attend, Paul. Pourquoi tu étais à l'hôpital? Le spécialiste qui me soigne, il y a son service là-bas. C'est où ta maladie? Dans le ventre. Oh. J'aime mieux là qu'ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Au moins, ça ne se voit pas. Personne ne s'en doute. Oh, tais-toi. José, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il ne sait rien, on se voit peu. Le soir au lit, tu ne lui parles pas avant de dormir? Non. Il ne dort pas souvent là. Il a beaucoup de travail. Je croyais qu'il t'adorait. Il m'adore. Au fond, aimer, ça suffit, et puis c'est plus pratique pour parler. Moi qui te croyais tellement à l'abri avec lui, je n'osais pas te déranger. Angèle, alors? Angèle, elle s'inquiète, mais elle croit que c'est rien. Quelle histoire. J'en ai les jambes coupées. Faudrait pourtant que je freine. Voilà, c'est là. Tu m'attends, c'est pas long. Pense à autre chose, 2 minutes, le temps que je revienne. Comptez pompon de marin, c'en est plein par ici.
n'était pas trop long. Six pompons et deux bonnes sœurs. Faut se dépêcher, Raoul, il attend le film. Bon, pour voir. J'ai pas encore appris la quatrième vitesse. Je te dis que j'ai à peine eu mon permis. Je l'ai eu à grand peine. Moi, je roule en taxi, c'est pas mal. Toi, tu es une enfant gâtée, surtout. Alors, il y avait là un type qui se perçait le biceps. Oh, ça m'a levé le cœur. Quelle journée. Je ne sais plus où j'en suis. Tu m'aides? On ne va pas le monter, mais au moins le sortir de là et le planquer. Allons-y. Ça ne te fait pas mal, au moins? Non, non. Là-dedans. Raoul! Raoul! Oh! Hé, hey, attention au film. Voilà ma poupée. D'amour? Il y a longtemps, Cléo. Comment ça va? Vous arrivez bien toutes les deux, c'est le petit film. Tu sais, je t'en ai parlé. Je vous installe, c'est la fin. Vous dérangez pas, Raoul, je ne fais que passer. Mets-toi là. Cléo, elle est malade. C'est pas grave, au moins. Mettez-vous là toutes les deux, il n'y a pas de maladie qui tienne quand on peut rire un moment. Rien qu'un moment alors, parce que je dois encore aller chez Cafinos. Et Cléo, elle n'est pas mais bien. Mais si, ça va très bien. Thank you.
lumière. C'est en tac. Ton film de demain, il est en bas derrière la porte. Vous l'avez amené toutes les deux? Bravo. Tiens, voilà les papiers, les clés. Tu veux pas la garder? Oh non, non, de nuit c'est trop difficile, il faut que je filme maintenant. Tu viens, Cléo? Merci pour le cinéma. Quand vous voudrez. À ce soir, bijou. À ce soir, mon chou. C'est un signe de mort. C'est horrible. Il ne faut pas croire des choses pareilles. Casser un miroir, c'est comme casser une assiette, c'est rien. La peur me reprend, c'est comme une migraine. Viens, je suis tellement en retard. Si tu veux, on va prendre un taxi, je te déposerai ça. Oh, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'on a vu un homme. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Savoir. Comme aussi, on est tranquille nulle part. Ben, vous pensez. Quelle époque. La balle, elle a éclaté la vitrine. Alors, moi, je reste un éclat de verre. Alors, on vous emmenez d'urgence à l'hôpital. Dès que j'ai vu le corps cassé, ma main, je crois qu'il partait. Allez, viens. Le temps d'arriver, on fallait disparaître. Tout retourné. Oh. Calme-toi maintenant. Le miroir brisé, c'était sûrement le mort dont les gens parlaient. Tu m'as dit que tu n'y croyais pas. Moi non, mais si toi tu y crois. Et puis j'ai peur de la peur des autres. Pourquoi tu te balades avec ce chapeau à la main? Pour faire râler Angèle. Pourquoi? Pour rien, des bêtises. En fait, il n'est pas de saison, pas du tout. Ah, tout l'hiver, j'espérais arriver à m'en payer, hein? Tu le veux? Je te le donne. Non. Et puis si, j'en ai tellement envie. Merci. Au bout, c'est le parc Montsouris. Tu connais? Non. Montsouris. Ça fait sourire rien qu'en le disant. C'est comme cheese. C'est plein d'ateliers par ici. C'est un jardin d'artistes et puis d'étudiants, à cause de la cité. C'est pas mal. Il y a une cascade. Oh, mais je suis arrivée presque. C'est juste après le feu. Tu vois les escaliers là-bas? Je vais descendre ici, ça ira plus vite. Merci, Cléo. Tiens-moi au courant. Au revoir. Doucement, s'il vous plaît. Et maintenant? Tout droit. Et maintenant? Encore tout droit. Dans le jardin. C'est permis d'entrer? Puisque c'est ouvert. Ça va être comme au but, c'est une route qui traverse peut-être. De toute façon, si on se fait arrêter, on ne risque pas la mort, hein.
C'est quoi ça? L'observatoire. Les mille et une nuits? Hein? Ici en haut, ça ira. Qu'est-ce que je vous dois? Précieux et capricieux, l'azur de mes yeux, audacieux, des appâts tracés au compas qui ne trompe pas le monde qui veut mes faveurs, savoir la saveur de ma bouche en cœur. Vous aimez le bruit de l'eau? Oui. C'est calme ici, vous ne trouvez pas? Oui, je trouve. Tous les enfants ont disparu. Quoi disparu? Les autres jours, c'est plein d'enfants. Et alors aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ils sont tous à l'autre bout, à cause des travaux de la pièce d'eau. Ils sont tous allés voir. Pourtant, de l'eau qui coule, il y en a ici. Eh oui, l'actualité, c'est bien plus rigolo. Ce qui est rigolo, c'est que vous soyez au courant. Je suis curieux. Alors pourquoi vous n'allez pas voir? Ah, je suis plus paresseux que curieux, je crois sans voir. Enfin, j'aime mieux être ici. Il fait frais, vous n'avez pas froid? Non. Il fait pourtant pas tellement chaud. Moi, ça va, je suis plus couverte que vous. Il devrait faire très beau, c'est l'été depuis ce matin. Je trouve pas. Pour moi, l'été, c'est les vacances, le reste, c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui... C'est l'été officiel, c'est Flore, c'est vous. Vous dites n'importe quoi. Oui, moi j'aime bien parler. Ça ne vous intéresse pas de savoir que c'est le solstice aujourd'hui, le jour le plus long de l'année? Le plus long, c'est bien vrai. Alors si vous le savez, vous savez aussi que c'est le jour où le soleil quitte les Gémeaux pour entrer dans le Cancer. Vous dites vraiment n'importe quoi, taisez-vous. Excusez-moi. Vous partez? Je crois, oui. C'est moi qui m'excuse de vous avoir fatigué avec mes renseignements. Vous voulez moi donner encore un? Quelle heure est-il? Je n'ai pas de montre. 6 heures, 6 heures un quart. Merci. Vous attendez quelqu'un? Moi non, je passais. Moi non plus. Oh, les hommes, c'est pas pareil. Ils attendent toutes les femmes. Ils les abordent, ils leur parlent. D'habitude, je ne réponds pas, mais là, j'ai oublié. J'avais l'esprit ailleurs. Puis vous avez l'air si calme. Je suis en permission.
Et ce costume? Vous voyez, je suis à moitié en uniforme, à moitié parti, quoi. C'est que je repars ce soir. Ah. Oui, ce soir, c'est fini. J'avais 3 semaines et je n'ai rien fait. C'est trop court. Ça me fait plaisir de vous parler. Vous êtes mariée? Non. Est-ce que j'ai l'air d'une aventurière qui cherche quelqu'un? Peut-être, non. Vous avez l'air d'attendre quelque chose, pas quelqu'un. J'attends le résultat d'un examen. Ah, vous êtes étudiante? Non, un examen médical, une analyse. Et vous êtes inquiète? Très, oui. De quoi avez-vous peur? Le cancer, je crois. Je le saurai ce soir. Que vous dire? Il y a une chance sur deux que ce soit autre chose. Je n'y croyais pas, et puis une cartomancienne a vu dans mon jeu. Vous croyez aux cartes? Oui, j'ai peur de tout. Des oiseaux, de l'orage, des ascenseurs, des aiguilles, puis maintenant, cette énorme peur de mourir. Si vous étiez avec moi en Algérie, vous auriez tout le temps peur, alors. Quelle horreur. Moi, c'est plutôt mourir pour rien qui me désole. Donner sa vie à la guerre, c'est un peu triste. J'aurais mieux aimé la donner à une femme. Mourir d'amour. Vous n'avez jamais été amoureux? Aussi des tas de fois, mais jamais autant que j'aurais voulu. À cause des filles, vous savez comme elles sont. Elles aiment, et puis, total, elles aiment qu'on les aime. Elles ont peur de tout, de se donner à fond, d'y laisser une plume ou deux, d'être marquées. Elles aiment à moitié, elles s'économisent. Leur corps, c'est comme un joujou. Ce n'est pas leur vie. Alors moi aussi, je m'arrête en route, je débraye. Excusez-moi de vous dire tout cela, je ne vous connais pas. Si, si, vous dites vrai. Vous avez déjà aimé? Oui, comme ça, comme vous dites. J'ai toujours eu peur de me faire avoir. Et maintenant, à quoi cela me sert-il? Je me suis gardée pour... Eh bien, nous dramatisons, il me semble. Je suis vraiment triste. Et puis tout ça, moi. Eh bien, voilà, on est deux dans une bulle. Ça va mieux? Oh, vous avez une jolie bague. C'est une perle et un crapaud. Vous et moi. C'est à quelle heure votre résultat? Le docteur doit aller voir à l'hôpital. Je dois l'appeler ce soir. Pourquoi attendre? Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital? Je ne sais pas à quelle heure il y sera, et puis j'ai peur qu'il me le dise en face. Venez, on va y aller tous les deux. Où est-ce? À la Salpêtrière. Très bien, ce n'est pas loin de la gare de Lyon. Comme ça, vous m'accompagnez après, si vous voulez. On prend un taxi? L'autobus, c'est plus gai. L'immeuble du petit écho de la mode qui est juste au coin du jardin parce qu'elle était abonnée et que grâce à ça, elle savait tout sur tout. Dans sa campagne, où il n'y avait ni cinéma ni librairie, elle pouvait parler des livres et des films comme vous et moi. Oh, moi, j'aime pas lire les critiques. J'aime pas connaître l'histoire du film avant, ça me gâche. Et puis c'est comme souhaiter une fête avant, ça porte malheur. Vous êtes superstitieuse alors? Ça oui. Mais je peux vous souhaiter un bel été. Aujourd'hui, ça porte bonheur quand c'est le jour juste. Peut-être. C'est la fête à Flore. Presque. Mon nom, c'est Florence. Mais on m'appelle Cléo pour Cléopâtre. Quel programme? Florence, c'est l'Italie, la Renaissance, Botticelli, une rose. Cléopâtre, c'est l'Égypte, le Sphinx et la Spic, une tigresse. Non, moi, je préfère Florence. Je préfère la flore à la faune. Quel bavard vous faites. Je vous ennuie? Mais non, vous m'amusez. Remarquez que Cléo tout court, c'est rigolo. On dirait Cléo de Bérode, vous connaissez? Mmh. Une chanteuse 1900, on m'a dit. Pas tant une chanteuse qu'une demi-mondaine, une de ces cocottes de luxe qui ont affolé nos grands-pères. Nous voilà votre grand-mère. Eh oui. Qui m'écrivait quand j'étais étudiant de penser à mon avenir et de ne pas me laisser aborder par des créatures en rentrant le soir chez moi.
C'est drôle quand on connaît le quartier. J'habitais là-bas, la cité, j'y suis resté 7 ans. Moi, c'est la première fois que j'y viens. J'ai juste accompagné une amie. Elle allait chez un sculpteur, tout près d'ici, les modèles. Drôle de métier. Il en faut. Moi, je comprends ça. Je ne suis pas pudique. Moi, si, très. Pour moi, la nudité, c'est l'indiscrétion. C'est la nuit. Puis, la maladie. Comment pouvez-vous dire ça? C'est ce que je sens. Tiens, voilà notre bus. La nudité, c'est comme l'été. Il faudrait que tout le monde en ait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est nu, c'est simple. La naissance, l'eau, le soleil, la plage, tout ça. Sortir un. Il avait l'air bien, il remuait les pieds, et pourtant il neigeait, il faisait froid. Moi, ça me touche, quelqu'un de nu. Même au striptease. C'est excitant, mais c'est émouvant aussi. Vous êtes souvent ému, vous, alors? Pas souvent. La nudité, c'est pas souvent. Rangis! Bon, eh bien, le sujet est épuisé. De quoi on parle maintenant? Vous vous moquez, vous trichez. Je vous abomine, je descends. Oh, mais vous m'accompagnez. Oh! Vous aussi, vous m'accompagnez. L'avez-vous oublié? Non, viens plutôt par ici. Est-ce que vous allez au bord de... Non, non, c'est le 21. Sur le quai de la gare, un mouchoir à la main, comme une trop belle fiancée de Troufion. Les gens croiront que vous êtes là pour quelqu'un d'autre, mais moi... Vous m'aurez donné une photo comme preuve. C'est le moment de payer, garçon de demi. Non, de pitié. Je la regarderai une ou deux fois pendant le voyage. Babillon. Vous voulez me donner une photo? Vous croyez? Moi, je voudrais. Comme ça, tout de suite? Oui. Après, on oubliera. Et puis, je serai si fier de la voir. C'est juste pour avoir une photo à montrer que vous m'avez apportée. Mmh. Vous êtes collectionneur, peut-être photomane. Et vous, mélomane. Pas celle qui aime la musique, celle qui aime le mélo. Et de mauvaise foi en plus. Si je vous demande simplement de me donner une photo en vous avouant que je suis capable de vantardise, Verlaine. Il faut seulement que vous soyez contente. Même les grands sentiments sont farcis de petites vanités et les grands esprits de sottises. On dirait les maximes de la Bruyère comme à l'école. Je n'en ai pas retenu une seule. Mais le genre comme ça, vérité décourageante. Place, s'il vous plaît. Vous connaissez Paris? Vous êtes depuis longtemps? Chaque jour, je lui cite un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, c'est Trigi. On m'a dit des voix l'armée du salut. C'est bizarre. Et la place d'Italie, à cause des arts. Vous voulez, demain, je vais montrer le 14e. C'est mon quartier. Oh non, j'aime mieux que ce. Place d'Italie, Florence, vous voilà chez vous. Presque. On a chaud, on a froid, c'est pas l'été. Connaissez-vous le nom de ces arbres? Non. Des Polonia. Ah, c'est l'été plus. C'est toujours le calendrier. Eh bien, toi, tâche de savoir un peu la semaine prochaine. N'oublie pas ma faute. Place d'Italie, fin de section.
Allons-y. Vous savez, des Polonias, il y en a aussi place de la Contrescarpe, et puis en Chine et au Japon. C'est un arbre plutôt rare, il vient de Pologne. C'est presque fatigant avec vous, faut toujours apprendre. C'est mon côté touche-à-tout, magasin pittoresque. Vous avez réponse à tout. Moi, c'est drôle, quand je pense par hasard, j'ai plutôt question à tout. C'est parce que je n'ai pas l'habitude. Aujourd'hui, tout m'étonne. La figure des gens et la mienne à côté. Vous savez où est l'arrêt? Oui, au métro Saint-Marcel. Attention, c'était pas l'arrêt. Merci. Est plein d'hôpitaux. La Pitié et celui-ci sont voisins. Comme si on soignait mieux dans le 13e et le 14e arrondissement. Il y a Broca, Cochin, Baudeloc, le Val-de-Grâce. Et puis il y a la santé. Vous riez tous, c'est désarmé. Alors je suis désarmé. Où c'est? Je suis venue en taxi l'autre fois. Il faut demander. S'il vous plaît, monsieur, le service des laboratoires. C'est pourquoi on ne peut pas y aller comme ça. Je dois voir le docteur Valino. Il n'est pas là. Mais je l'ai vu ici il y a 2 jours. À son service, alors? C'est au fond, à droite? Non, à gauche, sous le porche. Ça m'étonnerait qu'il y soit encore. Le docteur Valino est encore là? Il est parti. Mais il m'a dit qu'il passerait en fin de journée. Il a dit en fin de journée comme ça, mais un premier jour d'été. Comment savoir l'heure vraiment? Oh, vous cessez de plaisanter, c'est moi qui suis malade. Il faut pas vous fâcher, c'est méchant, oui. Je plaisantais, c'est vrai. Eh bien, moi, je ne plaisante pas, je vais le chercher. S'il est parti, c'est pas la peine. Peut-être qu'il est sorti pour un moment, puisqu'à moi, il m'a dit qu'il venait. C'est énervant. Depuis 2 jours que j'attends ce soir. Vous croyez qu'elle n'aurait pas pu penser que c'était ma fête, hein? Oui. Moi, c'est pareil. M'apporter un petit bouquet, quoi. Penser à moi un petit peu. Ils ont plus de temps. On dirait vraiment pas un hôpital. On dirait un château d'autrefois, un parc pour donner des fêtes. Votre main, Florence. Et cet arbre, vous l'aimez, c'est un cèdre du Liban. Vous n'avez pas des envies de voyage vers le soir? À quelle heure est votre train? Un peu avant 8h, et le bateau demain matin. Il nous reste si peu de temps. C'est idiot de chercher le docteur. Ça ne presse pas tellement, je lui téléphonerai ce soir. Oui, j'ai envie de connaître le Liban et les Polonias. Et votre adresse, donnez-la-moi tout de suite, après on va oublier. Merci Florence, merci Cléo. Oui, c'est un beau jardin. Il sent bon. Il est bien soigné.
On reste un peu ou on s'en va? Je suis un peu fatiguée. Voulez-vous qu'on dîne à une terrasse? Ou ailleurs? Comme vous voulez. On a tout le temps. Vous savez à quoi je pense? Tout à l'heure, je me suis trompé quand j'ai dit Flore. La déesse de l'été se nommait Cérès. Et Flore, alors, et moi? Flore, c'est la déesse du printemps. Il a fini hier le printemps. Ça ne fait rien. Aujourd'hui, c'est l'été de Flore. Il fallait venir jusqu'à mon bureau, vous n'osiez pas? On m'a dit que vous étiez parti, que je ne pouvais pas entrer au service des analyses. Bien sûr. Je suis le frère de Florence et je repars ce soir. C'est pourquoi je voulais vous voir. Forcément, je m'inquiète. Il ne faut pas vous inquiéter outre mesure. Nous allons nous occuper de votre sœur avec beaucoup d'attention. Elle aura un traitement un peu fatigant, mais je pense qu'après 2 mois de rayon, tout ira bien. Elle vous tiendra au courant, mais vous pouvez m'écrire si vous le désirez. À demain, mademoiselle. Venez vers 11 h, je vous indiquerai la marche à suivre. Pourquoi? Je regrette de partir. Je voudrais être avec vous. Vous y êtes? Il me semble que je n'ai plus peur. Et il me semble que je suis heureuse.